Coucou mes stars! Aujourd'hui on se connecte sur Brookhaven RP et je vais tester la fidélité de mon petit copain. Avant de commencer la vidéo, on va faire un challenge. Comme vous êtes des superstars, au lieu de 3 secondes, je vous donne le challenge de vous abonner et liker en 2 secondes. C'est parti mes stars! 1, 2, merci à vous l'équipe! La meuf, on dirait, elle est partie en Turquie, elle a fait un implant capillaire. Ah, y a pas à mettre des franges comme ça dans des cheveux. Je suis coach sur un serveur, mais là franchement, il faut que je me trouve un mec. La dernière fois, je parlais avec une meuf qui me disait qu'elle avait 7 mecs et un mec qui me disait qu'il avait 12 meufs sur Brookhaven. J'en ai un peu marre. Je vais essayer d'utiliser ma notoriété pour me trouver un mec. Je vais lui dire que je fume pas parce que sinon, elles vont me voler mes mecs dans ma vidéo. Un mec avec une pancarte, je cherche une femme. Le mec, c'est un renard. Non, je suis pas zoophile. Wesh! Y'a un mec qui porte un canapé. Ah, lui, il me le faut là. Lui là. Lui. Canapé à vendre? Je dis s'il est vendu avec. Et mon cœur aussi? Et bah, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, non? À la limite, le renard, on pourra le prendre comme animal de compagnie, mais bon, moi, je fais pas des trucs chelous avec un renard, quand même. On prie pour qui, là? Oui, je peux faire un paquet. Mes stars, franchement, s'il vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, regardez toutes mes vidéos, parce que j'ai besoin de la moula pour m'acheter un mec. Il me faut de l'argent. Un Robux? En vrai, ça va, hein, je prends, hein. Yes. Super, ça. Je lui demande s'il a une maison, et j'ai envie de demander à mes abonnés de le tester, au pire. Ah, ouais, je sais, Oh, si je sais, je vais espionner mon propre mec. Oh, c'est trop une bonne idée. J'ai demandé à mes copines de venir avec moi. Et comme ça, je vais tester mon mec. Ça fait beaucoup de monde. On dirait un voyage scolaire. On dirait mon école quand on va faire du ski à Montpellier. Sauf que mon prof, il est toujours bourré quand il conduit. T'es la vraie? Arrêtez de me poser cette question. J'en ai marre. À chaque fois que je me connecte sur tous les serveurs, on me demande si je suis la vraie. Allez, venez, venez mes copines. Franchement, là, vous devez faire un geste pour moi, vous deux. Ouais, je vais leur demander ça, ouais. Trop cool. Adopte-moi alors. Mais j'ai à peine de rencontrer mon mec, on aura déjà des gosses. Voilà ma petite maison. Ah, super. Venez. Et là, le canapé, c'est... Mais je rêve où c'est un clavier sur son canapé. Attends, il faut leur ouvrir. Je lui ai demandé de me mettre colocataire, comme ça je peux leur ouvrir. Ah, c'est bon, venez. Mais moi, je veux pas des enfants, moi, je veux des... Allez, rentrez. Non. Lui reste dehors. Oh, bah non, lui. Mais non, lui, faut qu'il vienne aussi. On sait jamais. Non! Naruto, non! J'ai des mauvais souvenirs. Vite, rentrez! Vite! Rentrez! Hop, non, je veux pas. Non, la dernière fois que j'ai vu un Naruto, c'était un bot qui spammait sa chaîne. Bon, on fait quoi? Je vais demander de regarder à la télé. Comme ça, moi, je vais aller briefer mes copines. Je vais aux toilettes, je reviens. C'est pas du tout vrai. Je vais venir les filles avec moi. On va aller. Il y a une salle de bain là. Il y a une salle de bain ici. Comme ça, au cas où ils disent, on dit qu'on fait des trucs de meuf. Je vais dire, j'ai besoin de vous. Non, c'est cassé là! Oh! Bon, c'est pas grave. Mais venez. Allez chercher. Je vais leur dire qu'il faut qu'elles se mettent en adulte parce que sinon c'est un peu cringe quand même. Il y a une bombe. C'est pas grave. On va tous mourir, mais c'est pas grave. Il faut que je teste mon mec avant. Mais pourquoi elle a un flingue? La situation c'est comme ça. Il faut que je sache s'il est fidèle ou pas. Pour ça, il faut que... Ouais, bonne idée. C'est bon, elle a capté. C'est bien. T'es la best. Non. C'est toi la best. Tu réussis à faire ce que je te demande. Je lui dis, je vais te présenter comme si c'était ma copine, mais en fait tu l'es. Et après, je vais me cacher. Et je vais les espionner. On va descendre en bas. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Il a éteint la lumière et tout. Je sais même pas comment il s'appelle, mon mec, en fait. Je l'ai appelé chérie. Il me dit quoi? Non, c'est pas lui. Il me dit ouais. Ok, ouais. Non, mais attends, le mec, il s'appelle quand même Colin Alaska. C'est vraiment... J'ai vraiment charron un poisson des dos douces. Je lui dis, je lui présente ma copine Eva. Mais il est passé où, wesh? Je sais où je l'ai dit. Mais il est pas bien, lui. Ah, c'est vrai, moi j'ai pas. Apparemment, il y a des gens qui sonnent à la maison, mais moi j'ai coupé le son. Attendez, je vais remettre le son quand même. Tu me disais quoi, bébé? Il a des verres au c... Je crois qu'en fait, j'ai coupé le son. C'est bien mieux. Oh, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais. Pour éviter que les gens qui sont un peu chiants là, qui sonnent, on va aller au resto. Salut Eva. Je leur dis de venir. Il faut vite qu'on parte là avant que les gens ils nous suivent et tout. Déjà, il y a un mec chelou dans notre voiture là. Attends, il est en train de partir, mais elle est où ma copine? Mais elle est passée où la copine? Non, elle est pas dans la maison. Oh, c'est pas grave. Non, mais... Voilà, c'est bon. Il a compris. Allez, on se casse. Laissez vivre notre vie d'amoureux. Laissez-moi vivre. Bah, j'ai perdu un peu mon plan, en fait. Elle est où ta copine? Je vais lui mentir, alors que je sais pas du tout. Elle est où? Je lui dis, elle est allée chier, je crois. Mais c'est pas elle, là? C'est elle ou c'est pas elle? C'est elle, là, ouais. Voilà, je suis en train de déprimer, là. Ah bah, elle est là, Eva. Ah! Elle est là! Mais il est en train de la frapper! J'ai vraiment aucun respect. Le mec, je l'appelle, viens mon mec. Je sais même pas comment il s'appelle. J'ai pas envie de l'appeler Colin Alaska.
Je leur dis, je reviens, je vais aller faire une crotte, c'est pas vrai, j'ai même pas envie d'y être. C'est juste pour pouvoir les espionner. Vas-y, bonne crotte. J'espère qu'ils m'ont pas vu, je passais par là. Je vais me cacher juste derrière. Je m'allonge. Oh, regardez là, franchement, ils me voient pas du tout. Je suis cachée. Je suis cachée derrière le restaurant. On va voir si Eva, elle arrive à pêcher mon mec ou pas. Je compte sur elle quand même. Hein. J'ai même pas fait attention, mais le mec, il a la mâchoire du giga chad. Moi, je sais pas, je veux pas d'enfant. T'as un beau sourire, Eva. Quoi? Il a dit à Eva, t'as un beau sourire, Eva. Quoi? Eva, là, attends, c'est Eva? Oui, Eva, là, clairement pas le temps. Elle a dit, viens, tu trompes Svelte avec moi. Comment ça? Explique-moi plus en détail, Eva. Wesh. Et de base, c'est quand même lui qui lui a dit, t'as un beau sourire, Eva. Alors, de base, elle devait le draguer. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a commencé en first. Et puis après, il y a Eva, elle est là. Bah, trompée maman. C'est vrai que elle, je crois qu'elle joue le rôle de notre gosse. Et mets-toi en couple avec elle. Attends, notre enfant est en train de dire à son daron, trompe maman avec une autre femme. Mais toi et moi, on est en couple. J'attends de voir sa réponse. Il a dit, bah viens, on va à la maison pour voir ces détails-là. Elle a dit, ok. Oh, dites, faut que je me cache. On dirait un rat. Je me suis cachée dans le coin. Et après, je vais rentrer. Je sais, je vais me téléporter. Je me cache dans le coin, là. On dirait que je pleure, mais en fait, je rigole. Oh, il va sur sa moto. Ils vont pas me voir. Je suis un poteau. Je ne suis pas là. Je suis un mur. C'est bon, ils sont en train de partir. Mais le pire, c'est qu'ils sont en train de se barrer avec ma propre moto. C'est pas grave, je vais me téléporter. On va retrouver la maison. Ah, vite. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Je pense pas. Je m'assis ici. Ouais, c'est bon. Ils m'ont pas vu. Je vais me mettre en toute petite. Vous connaissez la suite? Passion, infiltration. Bon, après, ça va être facile de rentrer dans la maison parce que j'ai les droits. Oh! Je m'infiltre, je suis derrière la maison. En plus, je suis toute petite, ils me voient pas, je peux marcher en dessous. Et là, je vois tout. Je suis juste derrière et je vois tout. Mais j'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. Mon mec, il m'a oublié. Je pense que je suis déconnectée. Alors qu'en fait, il pense faux parce que je suis connectée. Mais il pense pas que je pourrais penser qu'il pense que je suis connectée, en fait. Bah, t'es trop bien. Vas-y, Eva. T'inquiète, girl, je suis là. Par contre, il y a un mec là, il me suit. Il a trop cru que c'était un Jedi. Je vais me cacher là, comme ça, il me verra pas. Parce que je veux pas qu'il me voit. Quoi? T'es peut être mieux que Svetlana. Quoi? Je rêve où la deuxième, elle s'y met aussi. Elles sont... Ah non, c'est lui. Je pense que je vais bientôt faire mon entrée. Je veux lui dire quoi? Regarde tout ce que tu rates. Et toi aussi, tu veux être avec nous? Je vais me mettre en grande et je vais débarquer. Je vais dire quoi? Je la trompe pas, je suis ouvert à tout moi. Attends, il va voir. J'arrive. Je voulais rentrer, mais c'est fermé, wesh. J'arrive pas à ouvrir. Je lui dis, ouvre! Ah, Svelte! Ah, fais pas genre! Wesh, mais il fait, ouais, genre, ouais! Ah, Svelte, salut! Comment ça va? Elle était longue, ta crotte. Je dis, ouais, elle faisait 4 mètres de long, ouais. Ok. Ah non, mais non, il faut qu'il déverrouille la maison, en fait. La porte est cassée ici. Je crois qu'il a pas capté qu'il fallait qu'il déverrouille la maison. Je vais aller là-haut. C'est bon, je suis là. Attends, j'avoue, je suis méga grande, en vrai. C'est pas grave. Je dis, ouais, tu me trompes? T'es tombée dans notre piège. C'est bien, Eva, dis-lui! Dis-lui, Eva! Ben non, une nouvelle femme, c'est tout. Tu me trompes avec ma copine? C'était un piège! Le culot! Le mec, il me dit quand même, j'ai rien fait de mal, bébé, je t'ai juste trompée! Avec ta pote! Mais je t'ai rien fait, t'inquiète! De quoi un piège? C'est moi qui lui ai demandé de te tester. J'ai plus de IQ que Maïsan. Tu me quittes, c'est ça? Il a tout compris, il est dans mes pensées. Et alors, c'est fini. C'est fini entre nous. Prends tes caleçons sales. Quoi? Je suis mariée depuis 5 ans, en fait. Mais c'est une blague? Allez, bye, Svelte. J'ai giflé. Tiens, ma gifle, elle doit pas faire tant mal que ça, parce que j'ai une mini-main comparée aux autres, quand même. C'est cool entre nous. Je nous invente une vie, quand même. Je lui dis, t'auras pas la garde de notre caméléon. Aïe, mais arrêtez de me taper. Tout à l'heure, je lui dis le caméléon, et là, je lui dis, je prends le... Mais j'ai pas de caméléon. Et là, je lui dis, je prends le Stitch avec moi. Mais j'ai un fils qui s'appelle Léon. C'est pas mon fils Léon, mais je le prends avec moi. Elle est violente, Eva, quand même. Wistiti, c'est toi, mon petit Wistiti. Il se fout de ma tronche. Oh, prends-le, t'as la garde de Léon. Mais en fait, j'en veux même pas, je voulais juste le faire yesh. Léon est un... Je pense qu'il est en train d'insulter son fils. Léon, si tu regardes cette vidéo, regarde ce que ton père dit de toi.
Je sais même pas qui est sa mère. Ouais, moi Eva, on s'en va. Svet me quitte pas, je rigolais quand je disais bye bébé. En même temps, c'est normal, hein. Qui voudrait perdre une Svetlana? Je suis tellement fraîche, c'est normal. Arrête de mytho. Bah écoute Eva, c'est ta pote. Ouais. Je l'ai pas fait avec une inconnue. Quoi? Comment ça fait? Vous avez fait quoi? Ben fait, et Eva a fait. Il a fait quoi? Il vaut rien. Mais elle dit même pas non, aimé. Cram cram boum boum. Il a dit cram cram boum boum. Cram cram. Non mais il a cru que c'était un barbecue Eva. Tu peux m'expliquer que ça cram cram pas? Scala scala. Ben en tout cas ça a cramé. Je n'en peux plus. Les gens sur Brookhaven, ils ont un grain. Elle te quitte, ok? Ouais, tu vois, je te quitte, hein. Je te quitte, hein. Eva, Svet, me quittez pas. Comment ça, Eva? Svet, Eva? Je vous aime tous les deux. Tu as allumé la lumière parce que là, on voit rien. Je vois mieux ton visage maintenant. Le visage du Sam. Moi, je vois mieux ta beauté. Mais il essaye, hein. Il a sorti les rames, la pagaie, il a sorti le bateau à vapeur. Ah, c'est même plus les rames, hein. Viens, Svet. Viens. On l'enferme dans sa propre maison. Arrête. On s'en va. Si je pouvais faire des f***, j'en ferais, mais je ne peux pas. Je rêve. Je rêve où il a dit au garçon, tu veux sortir avec moi? Et le renard, il se barre en courant. Trop drôle. Il a même sorti le skateboard pour se barrer. Reviens. Wesh, il est bizarre, mais wesh. Genre, il est vraiment bizarre. On s'en va, nous. Wam, wam. En tout cas, Eva, si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Tu m'as permis d'ouvrir les yeux sur ce mec. En vrai, c'est tous des trompeurs, les mecs, sur Brookhaven, la vérité, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu une meuf ou un mec sur Brookhaven qui vous a pas déjà trompé. Bon, je vous fais la bise. La bise.